C'est parce que vous êtes un... vous êtes dépersonnalisé que vous êtes un grand comédien. C'est parce que vous n'existez pas. Oui. Si vous existiez... Mais vous moi, je préférerais être Pernaud. Le présentateur de 13h, régional. Oui. Tu vois, prompteur. Qu'est-ce qu'on a sur le midi, Palavas? Bon, tu vas très brancher la pizza. Et lui, ça lui ferait peur d'être Lucchini à Pernaud. Ben non, parce qu'il m'a écrit une très jolie lettre quand j'ai fait un hommage à Pernaud, qui est un moment important dans mon existence. C'est que pour moi, le jour où j'ai rencontré le 13h, le régional, j'ai vu un grand. J'ai vu un homme normal, tu vois. Je pense que si on mettait un électro de bonheur entre Pernaud, le présentateur du 13h, que j'aime beaucoup, et mon truc, si on pouvait nous coller quelque chose sur la tub ou sur les cuisses et qu'on dise taux de bonheur 12, hein, par exemple. Sur Pernaud, ça doit osciller 8, 9, 12, 14, 16. Moi, c'est plutôt 1, 2, au maximum sur scène, 12, 13, mais ça dure 1h45 par jour. Tout le reste du temps, je pense que la vie de Pernaud... D'ailleurs, la vie de Pernaud, pardonnez-moi, ça vous intéresse? Mais Pernaud nous... Bah, évidemment, Pernaud. Pernaud, ça nous intéresse dans une chose très simple, c'est que... Il m'a dit, c'est hallucinant, parce que comment se fait-il que vous savez comment je rentre chez moi? Parce que j'avais parlé, qu'en le voyant au 13h, je visualisais sa rentrée chez lui, tu vois, avec la voiture. Je pensais que c'était une Peugeot, ouais, ou une Renault. Boum. Et puis que sa femme était en train de finir, et puis qu'il arrivait, Pernaud, et puis il faisait... Chérie, tu veux que je mette un peu de bûche? Tu vois ce que je dirais? La femme dit, oh, merde, tu sais très bien que je m'en occupe jamais. Allez, j'y vais. Alors, crac. Et ça, c'est un enthousiasme vital au niveau spinozien. Enfin, même Nietzsche, il faut quand même ne pas être dépressif pour rentrer après le boulot et dire à sa femme, je fais un peu de bûche. Et la femme fait, oh, toujours la même plaisanterie. Oui, mais chérie, c'était drôle. Bon, allez, vas-y. Alors, crac, il met la bûche. Et puis après, il fait, merde, je vais garer la bagnole. Il va garer la bagnole. Il revient. Ça, c'est un être qui va bien. Il a pas lu Spinoza. Il a pas lu Nietzsche. J'en vis. Totalement, Pernaud, j'en fais pas un cheval de bataille médiatique. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.